Maurice apporte un coin d'une petite station météo là-bas. Pas grand-chose. Ça même point qui m'ont pu mettre de l'avant et m'ont pu faire ça au nom du gouvernement. Pas seulement en mon nom personnel en tant qu'attorney général, mais au nom du gouvernement. C'est une ressource, c'est un territoire des républiques et les bisins viennent pour les bénéfices de la République et de la population. C'est ça le point qui m'ont bien envie de faire aujourd'hui. Et évidence qui t'est présentée dans la cour montrait qu'il a compagnie en occupation de Sabanzil là depuis 1929. Est venu même continuellement. On va aller dans le détail qui position l'État, tu prends l'État, tu me dis que selon point que l'État t'y avancé dans la caisse, que le liste une bise terminée en 2000, c'est-à-dire pas capable de dépasser une période de 99 ans. La Cour pas fin retenir ça, la Privy Council pas fin retenir ça, argument là. Privy Council, il retenait l'argument du permanent grant over the Saint-Brandon Islands. Sur toutes les îles là-bas. Vous connaissez, il y a un archipel à gauche encore, ça. Saint-Brandon. Il est constitué d'un groupe de bandes d'îles. A group of islets. Sur tout ça bout là, il y a un permanent grant. Je vous laisse. Vous trouvez, même vous êtes un peu choqué par ce qu'il m'a vint dire. Donc imaginez ce que la population pour ressentir quand il connaît ça. C'est une affaire qui nous en tant que population, nous peut rester tranquille, ça peut passer. Comme si tout est normal, alors que moi personnellement, m'aurais dit en tant que citoyen et ensuite en tant que ministre de la République, ça n'est pas capable de continuer. Nous besoin de trouver solution et c'est ce qu'il nous faut faire. Les points, les pour prendre les temps. Il n'y a pas une affaire faire du jour au lendemain, bien faire les choses correctement dans la légalité. Pour sa gosse même, je peux trouver combien de temps ça peut prendre, mais pour sa gosse, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y en a les autres pays concernés. Mais ici, là, c'est pas pareil, la situation n'est pas pareille, mais il y a une avenue légale qui bien fait, bien prend, et c'est ce qu'il nous faut faire.